Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel essai. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Aurélien m'a contacté sur Insta en me disant « Écoute Kevin, je devrais avoir l'i30N très bientôt, la toute nouvelle, la facelift. » Il y a quoi, 2-3 jours, tu m'as dit « Je l'ai reçu. » Exactement, oui. Alors voilà, je me suis dit bah, « Let's go, on va faire une chouette petite vidéo ensemble. » Ben voilà Aurélien, ben, présente-toi et on va parler un peu de ta voiture. Voilà. Donc je m'appelle Aurélien, comme il l'a si bien dit. Voilà, donc je suis le fameux propriétaire de la nouvelle Hyundai i30N 2021. Donc pour la petite histoire, c'est ma deuxième voiture. J'ai mon permis seulement depuis un an. Donc je voulais marquer le coup. Ah ouais, ok, d'accord. Tout ce qu'il va dire, je suis au courant de rien. Donc ça va être, je vais apprendre la même chose que vous. Donc c'est ta deuxième voiture en un an. En un an, ouais. Et l'autre, elle t'a pas plu du tout ou... Si, elle m'a énormément plu, mais ça manquait un peu de cette... sensation d'être collé au siège, cette sensation de puissance de la voiture. Ouais. Donc j'étais propriétaire d'une 208 GTI qui avait 200 chevaux carto. T'as été un peu déçu ou... Ça manquait d'accélération. Je trouvais que c'était un petit moteur et puis ça consommait beaucoup pour ce que c'était. Et puis niveau place, c'était pas vraiment ce que je cherchais. C'était plus petit comme gabarit, mais honnêtement, comme première voiture, c'était déjà assez sympa. C'est très très chouette. C'est très très chouette. Alors ici, donc c'est la i30N 2021. Ouais. Toi, tu connais bien la voiture. Oui. Parce que apparemment, professionnellement parlant, tu as travaillé sur la vente de... Voilà. Je travaillais donc comme stagiaire, comme vendeur chez Hyundai. Donc voilà. Ça, c'est cool quand même. Voilà, c'était cool. Tu connais tout. Voilà. Donc je voulais à ce moment-là acheter l'ancien modèle, mais bon, avec ce qu'on gagne en tant que stagiaire, c'était pas possible. Voilà. Une fois que j'ai eu les moyens pour payer la taxe, la voiture et autres, je me suis permis d'acheter la voiture. Bon, on va parler de l'esthétique de la voiture. Par rapport à l'ancien modèle que j'ai testé aussi, il y a quelques changements, mais on voit qu'ils ont un peu plus affûté l'avant avec la calandre, les feux. Dis-moi un petit peu ce que toi tu as vu comme changement aussi. Voilà, ce qu'ils ont fait, c'est que pour le moment, ils ont fait donc une longue barre rouge, donc il va continuer tout le long. Ils sont venus faire des vraies prises d'air qui n'avaient pas sur l'ancienne, donc elles vont vraiment refroidir au niveau des pneus, les étriers et les freins. Ok. Il y a les nouveaux, la nouvelle face de phare qu'ils ont fait, donc c'est un bandeau LED tout le long. Donc c'est des feux Matrix LED qu'ils ont utilisés. Et alors ce qui est sympa, ben, c'est les petits détails qu'ils sont venus faire ici au niveau de la carrosserie qui font un peu plus look sportif que sur l'ancien modèle. Voilà, ce qu'ils ont aussi fait, bon, on passera après par la suite, mais donc il y a les sièges baquets sur celle-ci, donc on peut voir quand on est de nuit ou de l'extérieur, on fait voir que les sièges sont illuminés. Sous le capot, qu'est-ce qu'il y a comme moteur? Il y a un 2 litres turbo de 280 chevaux et de 392 newtons. En termes de poids, tu sais plus ou moins ce que ça pèse? Oui, donc ils sont faits par rapport à l'ancien modèle, donc on peut les voir ici. Ils ont fait des jantes de 19 pouces en alliage léger. Donc ces jantes-là pèsent 3 kg de moins par jante par rapport aux jantes de l'ancienne version. 3 kg en moins? 3 kg en moins par jante. Ouais. Et c'est énorme en vrai. C'est énorme, elles sont ultra légères, donc c'est ça qui va être sympa. D'ailleurs, j'essaie de ne pas les griffer juste pour ça, parce qu'à mon avis, au niveau de la facture, ça va faire mal. Tu as aussi les jupes avec la signature N. Voilà. Les freins, donc les étriers, c'est en termes de disques, etc. On voit que c'est pas du ventilé. Ça freine fort, t'es content? J'en suis très content. Ce qu'ils ont fait par rapport à l'ancien modèle, c'est qu'ils ont agrandi les disques à l'avant et à l'arrière. Okay. Ici, piston aurait été mieux, mais malheureusement. Ils n'ont pas fait, mais sinon ça freine déjà assez bien. On va passer à l'arrière de la voiture maintenant. Et ça, c'est très intéressant parce que on a déjà un petit peu entendu ce que ça sortait comme une sonorité. Ça sort un son pas mal. Ouais. C'est terrible. Donc, ici, donc, on est à l'arrière. Donc, ils sont venus mettre des sorties d'échappement beaucoup plus grosses que l'ancien modèle. D'ailleurs, on peut se repérer l'ancien modèle, c'est ce qui est à l'intérieur. Et le nouveau, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, on voit, ils les ont... surdimensionné. D'ailleurs, je peux passer mon point complet dans l'échappement, c'est ça qui est ouf quand même. Le diffuseur à l'arrière, donc ici, ils ont mis ceci en plus. Il y a la nouvelle signature aussi du coup des feux à l'arrière. Et en termes de coffre là-dedans, tu sais mettre, c'est grand C'est quand même grand parce que j'ai su mettre 3 valises dans le coffre, donc ça m'a permis de mettre, je pense qu'on sait mettre 3 bonnes valises. Je pense que c'est un coffre de 350 litres, oui. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, non, il est pas si petit que ça. Hein. Et alors, bah, on voit ici hein, la barre pour la rigidité. Hein, voilà, la barre anti-rapprochement. Bon, c'est vrai que ça, t'as vraiment de la place. Hein. Et alors, ils l'ont fait aussi vraiment pour partir au ski parce qu'ils ont fait une trappe à ski. Ouais, il y a la trappe à ski. En termes de coloris, il y a plusieurs coloris parce que ça, c'est vraiment la couleur spécifique au modèle. Ouais, donc ça, c'est la couleur qui est en option. Ok, d'accord. Donc voilà, la couleur qui est en fait de base dessus est le rouge. Sinon, il y a du noir, le Black Phantom, il y a le Swarf Grey, le gris des RS3. Ok, d'accord. Le problème, c'est qu'il y a cette couleur-là partout. Donc, elle me dit, ça va pas vraiment se démarquer. Alors, prends le N Performance Blue, qui est vraiment la couleur qui va avec la voiture. Je trouve ça lui va très bien. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ta chemise, en plus, voilà, la chemise est la sortie à la voiture.
Si tu veux, Kevin, je vais te laisser prendre le volant de la voiture. Comme ça, tu vas pouvoir par toi-même te rendre compte du fonctionnement de la voiture. J'ai envie de dire let's go, alors on va faire, sonner on ça. Bon, nous voici donc à l'intérieur de la Hyundai i30N. Alors, qu'est-ce que ça a changé par rapport à l'intérieur? Tu connaissais un petit peu celle d'avant? En fait, auparavant, j'avais essayé l'ancienne i30N, oui. Donc la boîte manuelle, qui me plaisait déjà énormément. En attendant, j'avais une GTI, mais je voulais absolument la nouvelle pour la simple et unique raison que sur la nouvelle, il disposait maintenant de la boîte automatique, ouais. À 8 rapports, double embrayage, qui est donc juste génial. Ce qui a changé par rapport à l'ancienne, c'est le grand écran qu'ils ont fait maintenant, qu'on a les boîtes, la boîte de vitesse qui est donc maintenant automatique. Et alors le petit avantage qu'on a en plus maintenant, c'est les sièges baquets, qui ça, ouais, pour moi, c'est sont super bien, on est serré dedans, mais ils sont confort, ils sont pas hyper durs, ils sont confort. Et alors le petit changement, c'est les 20 newtons en plus de couple et les 5 chevaux en plus. Ok, donc un petit upgrade sur le moteur aussi, quoi. Voilà, qui est plutôt sympa aussi. On sent une grosse différence quand même de l'ancienne à la nouvelle. Ah ouais, d'accord, ok. Et en termes de boîte, donc toi tu voulais absolument une boîte auto en fait. Voilà, exactement. D'accord. C'est comme je travaille vraiment que sur Bruxelles, c'est vraiment très embêtant. Ouais, c'est clair. La boîte manuelle a toujours appuyé sur l'embrayage et tout, ouais. Donc il fallait absolument la boîte auto. Ok, et je vois aussi une petite plaquette maintenant sur la i30N, ça c'est nouveau aussi. Voilà, donc ils ont limité cet exemplaire à 150 exemplaires. C'est fou, c'est vraiment très limité en vrai. Ouais, voilà, exactement. Et donc il y en a aussi bien sur les fastback que sur celle-ci. Ok. Et pour le moment, le modèle comme il y a ici, pour le moment, il n'y en a que deux en Belgique. Il y avait un truc que j'aimais bien aussi sur l'ancienne, c'est que tout était modifiable via l'écran. Les suspensions, la direction, l'échappement. Tout ça, c'est resté, j'imagine, sur la nouvelle. C'est toujours resté et ils ont quand même fait plus facilement. On a juste à appuyer ici et on s'est directement tout réglé depuis le custom ici. Ok, on voit les forces G, le turbo, le couple. Et la puissance. On peut même s'enregistrer. Voilà, alors ce qu'on a aussi comme option par rapport à l'ancienne, c'est le N Green Shift qui monte la carto de la voiture pendant plus ou moins 20 secondes à 300 chevaux et avec 20 newtons en plus. Donc ça permet vraiment de... Un vrai boost. Et il existe vraiment, parce que j'ai fait la course avec un ami à moi qui a une A35 AMG. Ok. Qui quand j'étais en mode sport, donc en mode N à fond, ben, c'était côte-côte. Une fois que j'ai appuyé sur le bouton, je suis passé devant lui. Donc ça veut dire qu'il fonctionne vraiment. Bon, ben on va partir, faire un petit tour. On est directement sur des routes sinueuses. C'est ce qu'on cherche. En plus, avec une voiture comme ça, c'est idéal. Voilà. Pas tout de suite foncer avec ta voiture. Hein. Je sais que c'est la tienne. Et vu comme tu en prends soin, j'ai vu que tu l'as stické encore juste avant. Ouais. Je vais pas te faire peur. Elle revient d'un traitement céramique en plus. Donc Non, je vais éviter de la massacrer. Prudence, virage dangereux. Mais non, mais ça c'est rien du tout. Avec c'est bien en fait toi, c'est incroyable ça, c'est quand tu fais des chronos et que tu te dis c'est ton copilote en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, t'as tiré une ville avec son copilote et toi t'as ton tel. Ils me disent même vitesse recommandée normalement. Terrible, il manque plus que les chronos tu vois, entre deux villes, et t'es bon. Alors petite question, le 0 à 100 c'est combien de secondes, tu as une idée? 5 secondes une maintenant. Let's go, hop. Ah, ouais, je vois il y a le shifter, les LED. Exactement. C'est très très bien ça. On va tester les freins en même temps. Oh là 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 là, ça c'est vraiment une petite voiture de rallye. Ouais, j'ai vraiment ces sensations de petite caisse légère, quand même puissante. Hein. Ça pose quand même pas mal. Ouais, ça pose vraiment bien. Et le son il est terrible. Pour l'instant, Hyundai pour ça il régale. Hein. Même la i20N que j'ai testée sur une autre dev vidéo, elle était incroyable. Ici il y a des petits sinueux. On va freiner. Franchement, ça dévie pas du tout. Pas l'impression qu'elle se déleste de l'avant. Et les retours les plus hauts se font entre 5000 et 6000 en remettant un léger coup de gaz. Donc entre 5 et 6000. Exactement. Si je fais ça. Toi, t'as déjà compris le truc en fait. Toi, t'as déjà étudié comment faire du bruit. Exactement. Terrible. Hey, la boîte elle est incroyable. Hein. La boîte elle répond vraiment énormément. Par contre les à-coups, tu disais qu'il y avait des à-coups, je trouve que on sent c'est un peu, mais c'est pas abusé. Voilà, c'est vraiment en appuyant à fond de chez fond. Ouais, voilà. On va sentir l'à-coup. J'avoue que je suis pas à fond parce que je reste en tête que c'est ta voiture et que je vais pas faire n'importe quoi. Ah, un petit peu patiné là. Oh le son. Non mais elle est accrochée au sol. Ah ouais là je sens, ouais, là j'ai senti les à-coups.
est vraiment projeté vers l'avant de la voiture. Terrible. Bémol, c'est l'angle de braquage, ça braque pas. Ah, effectivement, pour une petite voiture, c'est pas une voiture de ville comme on dit quand même. Hein. Non. Donc tu as la caméra de recul, ça fait plaisir aussi. Capteur avant arrière. Voilà, dans cette voiture, il y avait trois options disponibles. Donc il y avait la boîte automatique, le toit panoramique et les sièges baquets. Ok. Tout le reste, elle est fournie déjà en full option, donc on ne savait rien rajouter. Ok, donc ça, c'est vraiment les trois grosses options de ce modèle. Voilà, et elle est interdite à la vente en Angleterre et en France. Donc en fait, elle est disponible en Belgique et aux États-Unis. Pourquoi ? Pour des normes CO2 ? Normes CO2, parce que la taxe Malux qu'ils ont en France leur reviendra à 13 000 euros. Donc pour une voiture qui est tarifée à 43 000 euros, une taxe de 12 000 euros. Ouais, c'est un peu ridicule, donc Hyundai s'est dit on laisse tomber pour la France. Voilà. Bon bah écoute, on va ressortir un petit peu parce qu'il fait chaud ici à l'intérieur. Ouais. Parce qu'il fait même très chaud, la GoPro elle a pas survécu, c'est pour ça que vous avez plus les plombs de la GoPro tout simplement, elle a fondu au soleil. Alors ici, on a fini la conduite, on va aller l'écouter aussi de l'extérieur, on va donner quelques coups de gaz et on va enregistrer le son. Je pense que ça peut être très sympa, parce que de l'intérieur déjà c'est cool, mais à l'extérieur je pense que ça va vraiment bien donner. Je te relaisse la place au volant, parce que franchement t'as été courageux d'être en passager sur ta voiture qui est nouvelle en plus. T'as pas eu trop peur ? Non, non, ça va. J'ai pas trop exagéré. Non, non, du tout. J'étais sage. C'était sympa. Eh hey, mais c'est abusé, hein, vraiment, hein. C'est incroyable comme c'est fort. Ils ont bien réussi ça, honnêtement. Et c'est d'origine, ça. Ça, c'est d'origine, ouais. Donc en fait, tout simplement, si je viens changer de mode ici, donc via mon volant, il n'y a plus rien du tout. Ok, d'accord. Via le N mode, en fait, il y a un retour qui se fait dans l'échappement et autres, donc c'est plutôt sympa. Ouais, et là on entend quand même que c'est pas de l'artificiel dans les haut-parleurs, quoi. Là, voilà. On sait que c'est l'échappement qui fait du son. Non, non, ça fait vraiment plaisir. Déjà, merci à toi pour ta confiance de m'avoir prêté ta voiture. Avec plaisir. Bah, j'espère que je t'ai pas trop traumatisé, j'étais quand même cool, va. Franchement. Mais j'avoue qu'elle m'a beaucoup plu, le son, l'assise est vraiment top avec les baquets. Franchement, on est bien mis sans être sur du bois, c'est quand même confortable. J'aime vraiment bien aussi la tenue de route, le châssis, le freinage est très très bon. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Alors, c'est pas ma voiture, donc je la connais pas en profondeur. Par contre, toi qui es propriétaire de cette voiture, est-ce que tu peux me dire un petit peu les plus et les moins de cette i30L ? Ben les plus, le premier, ça va être le bruit, ouais. Qui serait au même niveau pour moi que le châssis. Ok. Le freinage qui est excellent et tout ce qui est connectivité à bord de la voiture, il s'est bien réussi. Ouais. Le petit point négatif, c'est que ben, voilà, il n'y a pas l'option des sièges électriques que j'ai perdu dû au siège baquet. Oui, ça, il fallait faire le choix un petit peu cornélien, soit on a les baquets, soit on a les conforts et on a l'électrique. Voilà. Le petit point négatif, pour moi, ça, c'est embêtant quand on est en mode N et qu'il y a des bosses. L'accélérateur est tellement, il répond tellement rapidement que juste le pied qui fait juste ceci, ben, on est directement repoussé. Ah, donc ouais, ça d'accord. Fait parfois des à-coups, on a l'impression d'être un peu sur un bateau. Ah, okay, ça, c'est d'accord. Le petit reproche que je pourrais lui faire, mais sinon pour le reste, elle est géniale. En termes de consommation, tu sais plus ou moins à quelle consommation tu tournes, on va dire, en conduite non éco-responsable. En conduite, en fait, le problème, c'est que c'est tous les trajets mixtes. Quand je roule vraiment assez fort dedans, je suis à 17-18 litres. Donc ça, c'est vraiment excessif. Sinon, en économique sur autoroute, je suis à 6,4. C'est le petit avantage qu'il y a, c'est que sur le mode éco, elle ne développe que 180 chevaux. En termes de tarifs, tu tournes à plus ou moins quel prix du coup avec cette i30N ? C'était à... Bon, on est à 42 000... donc on a 43 000 euros full option comme elle est là. Ok, hors taxe. Hors taxe, ouais. Voilà, ok. Ça, c'est vrai que c'est important parce que tu m'as dit pendant l'essai qu'elle n'est pas vendue en France ou en Grande-Bretagne. Dû à sa taxe de mise en circulation qui chez eux doivent payer une vignette, qu'on appelle ça. Ouais.
ils sont à 12 ou 13 000 euros et en Belgique on est à 6 000, donc on a la moitié. Oui, c'est ridicule de payer une voiture 43 000 euros plus 12 000 euros de taxes, c'est beaucoup trop par rapport au prix d'achat de la voiture. Voilà. Je te remercie évidemment pour avoir pris le temps d'être venu du côté du Namurois. Avec plaisir. D'avoir pris du temps pour moi pour que tu puisses me présenter ta voiture. Je sais pas si tu as un Insta ou quelque chose pour que les gens puissent... Oui, hein, donc c'est A, donc A normal, et c'est Kolodziub, donc c'est K-O-L-O. C'est pas plus simple quand même. Non. K-O-L-O-D-Z-I-U-K, mais si on met A-Colo, on trouve directement. Je mettrai ton petit, ton petit Insta sur, sur la vidéo, parce que sinon... Il ne faut pas trouver. Non, mais vraiment, en tout cas, moi, perso, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé la vidéo. On a eu 2-3 petits soucis techniques avec la GoPro, donc on n'a pas pu avoir tous les plans qu'on voulait. Mais voilà, c'est un essai qui est fait comme ça. On va dire à la bonne franquette. J'espère que donc ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao.